Mais déjà, bonjour, bonjour tout le monde. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous sur Toulouse aujourd'hui. Il y a des petits indices derrière moi qui disent où je suis, mais je laisserai le suspense durer. On est content d'être avec vous, avec Julie, là, pour parler de tous les sujets autour des usages du numérique et notamment des sujets autour du droit à la déconnexion. Donc je suis Nicolas Bertrand, donc je suis le dirigeant fondateur de l'entreprise IOCR, entreprise de services numériques qui est basée à Montpellier. On a à la fois une activité de services numériques et d'éditeur de logiciels, et on s'inscrit depuis maintenant de nombreuses années dans le cadre du numérique responsable. Et par ailleurs, on a décidé, il y a maintenant, là, ça fait presque 10 ans, je crois, d'avoir un usage très très limité de nos emails. Et du coup, je vous expliquerai à la fois pourquoi et surtout comment on est arrivé à cela. Je vais laisser Julie se présenter et du coup continuer notre présentation. Bonjour à tous, donc Julie Jean, j'accompagne les entreprises dans l'amélioration de leur performance et du bien-être, puisque ce sont deux aspects qui sont fortement compatibles. Et d'ailleurs, le droit à la déconnexion est un excellent exemple de cet aspect. Alors, pour cette session, pour cet atelier, nous avons choisi de travailler sur un format un peu spécifique et de vous proposer un quiz. Donc, je vous propose, si vous voulez bien, de scanner ce QR code pour accéder au quiz. Et ensuite, nous déroulerons les questions au fil de l'atelier. Donc, il ne faut pas le passer en entier. Il faut attendre qu'on vous propose question après question. Mais pour commencer, donc, il faut s'équiper du quiz. Peut-être Nicolas peut rajouter quelque chose au sujet de ce quiz en particulier. Oui, donc du coup, bon, c'est un quiz qu'on a fait avec une entreprise montpelliéraine, donc un petit peu de pub pour l'Occitanie, du coup, qui s'appelle Elvan Go. Donc je pense que donc soit par le lien, si vous êtes sur votre ordinateur ou par votre téléphone en prenant la photo du QR code, vous arriverez à une première page de questions sur lesquelles, en fait, on va ensuite discuter. Du coup, on peut peut-être enchaîner sur la première question, Julie, et on va voir si ça fonctionne, puisque de mon côté, j'aurai les résultats des différentes questions. Ok, d'accord. Donc on lance la première question en espérant qu'on est bien au niveau du Le timing. QR code sera sur votre page, de toute façon, aussi, si jamais. Ok, donc c'est parti. Alors, la première question, elle porte sur les constats sur la santé. Et donc la question, c'est être contacté hors de son temps de travail augmente les risques de santé de, alors, 1% ou bien 12% ou bien 26%. Donc, on a trois réponses pour le moment. On va attendre un peu, sept réponses. Allez, je vais donner le résultat. Donc, on a la moitié des personnes qui ont répondu qui pensent 26%, et après, on a à peu près une égalité, enfin, trois réponses à 12% et deux réponses à 1%. Donc une majorité, 50% qui pensent 26%. 26% qui est effectivement la bonne réponse. Alors, ces données, elles viennent d'une étude qui a été faite sur 57 000 collaborateurs européens. Alors, c'est difficile d'avoir des études de cette taille-là pour la France, mais bon, l'Europe, je pense que c'est quand même un bon exemple puisque nous avons des pratiques qui sont quand même assez proches. Et donc, cette étude, elle recherchait des corrélations sur plusieurs aspects, dont le fait d'être simplement contacté sur son temps libre. Et donc, elle met en évidence une corrélation avec des troubles de santé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par risque de santé? Ce sont des troubles cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques, des troubles gastro-intestinaux ou des troubles psychologiques. Et donc, dans cet aspect-là, sur le fait d'être contacté, on voit qu'il y a un effet qu'on soit contacté souvent ou parfois. Souvent, c'est 13% et parfois, c'est 26%. Donc, il n'y a pas de lien entre la quantité de fois où on est contacté et la manière dont on réagit en termes de santé.
Pardon, Mais... Julien, pardon, on a une question dans la salle. Oui. Je laisse le monsieur parler. J'ai du mal à comprendre comment on peut avoir un impact musculo-squelettique quand on est contacté sur son téléphone en dehors du temps de travail. Je vois pas du tout le lien là, par contre. Vous ne voyez pas le lien, le fait qu'on ait des troubles musculo-squelettiques parce qu'on est contacté en dehors de son travail? C'est ça votre question? Excusez-moi. Oui, On n'a c'est pas des ça. troubles musculo-squelettiques juste au moment où on est contacté, hein. C'est une étude de corrélation. D'accord. On demande d'un côté aux gens s'ils ont des troubles musculo-squelettiques, s'ils ont des troubles cardiovasculaires, s'ils ont des troubles gastro-intestinaux, etc. Et on leur demande d'un autre côté comment ils travaillent. Oui? Est-ce que ça éclaire la question? Oui, je vois pas trop. Enfin, j'ai du mal à imaginer les cas qui induiraient ça, mais bon, c'est une Ah étude. ben, tout simplement des tensions physiques qui entraînent progressivement des problèmes au niveau des vertèbres. Ça, c'est quand même assez courant. D'accord. Oui? Ouais. C'est le stress au final, Oui, c'est c'est changeant ça. du stress et le stress envoie Le aux stress gens et le des dos. D'accord. stress. Voilà. Ok, merci. Excusez-moi, en fait, le fait que vous soyez comme ça à distance, c'est pas forcément évident sur les échanges. C'est bon. Ok, parfait. Donc l'autre question qui était posée, elle était posée sur le fait de travailler sur son temps libre. Et donc les données sont aussi intéressantes sur cet aspect-là, puisque l'augmentation du risque, alors là, elle est beaucoup plus massive, hein, puisqu'on arrive à 60%, mais par contre, elle est dose dépendante, c'est-à-dire que plus on travaille de temps sur son temps libre, plus l'impact, enfin, le lien avec les impacts de santé est fort. Alors qu'on l'a vu sur la situation précédente, il suffit que ça arrive parfois pour que déjà ça impacte au niveau de la santé. Donc, je vous ai montré cette étude-là, mais bien sûr, cette notion-là de lien entre travail ou contact pendant le temps libre et impact sur la santé, c'est un lien qui est assez fort, qui est assez systématique et qui n'est pas contesté par l'ensemble des recherches qui sont menées. Je passe la main à Nicolas pour la question suivante. Alors, question sur les impacts cette fois. Donc, pendant notre présentation, on s'est quand même, on s'est un peu plus focalisé sur l'usage du mail. Vous verrez ça après. Donc, du coup, une question bon, assez classique qui est posée, enfin, un questionnement qu'on a assez souvent sur l'impact d'un email. Donc, un email qui pèserait 1 méga, donc avec une pièce jointe, aurait, d'après vous, quel impact en moyenne? En sachant qu'évidemment, ce genre d'impact va de pair avec la façon dont l'énergie électrique est produite. Donc, on va dire que c'est des études fournies par l'ADEME, donc sur le sol français. Donc, je vais aller voir les réponses. On a un certain équilibre. Enfin, pour faire simple, on a un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers 2 grammes, un tiers 19 grammes, un tiers 195. Donc la bonne réponse, c'était pile au milieu, c'était 19 grammes d'équivalent CO2. Alors en soi, ça parle pas trop en fait, ce genre de résultat ne parle pas trop. En fait, ce qu'il faut savoir, l'important dans ces cas-là, c'est d'avoir une ordre de comparaison avec d'autres types d'émissions. Et donc d'après l'ADEME, donc source ADEME, si vous prenez une entreprise qui serait d'une centaine de 100 personnes, qui enverrait en moyenne 15 emails de ce type par jour. Donc 15 emails de 1 méga par jour, c'est à la fois, ça peut être peu pour certains endroits, ça peut être beaucoup pour d'autres. 220 jours par an, évidemment. Et vous avez un équivalent de 7 tonnes de CO2, d'équivalent CO2. Et là, pour voir un peu la comparaison, on est habitué à le comparer avec d'autres types. Et donc, si on le compare à un voyage en avion, mais vous avez 7 allers-retours entre Paris et New York. Du coup, un rappel sur les impacts. Là, vous avez un autre tableau fourni par Green IT, donc source Green IT cette fois. En ligne, vous avez les posts utilisateurs, donc c'est les posts sur lesquels
on travaille. Donc, vous avez son ordinateur, un téléphone, etc. Vous avez le réseau qui permet de nous connecter et vous avez les data centers, donc les centres informatiques où sont hébergées nos données pour voir en termes de fabrication, donc la colonne fab ou d'utilisation, la colonne use, où sont les impacts sur les gaz à effet de serre, sur l'eau, sur l'énergie, etc. Et on voit qu'un des gros impacts, bon, celui qui nous intéresse plus particulièrement, est sur la fabrication des postes utilisateurs en termes de gaz à émission à effet de serre. Donc ça, pour dire quoi? Ça veut dire que quand on utilise un ordinateur, c'est sa fabrication qui aura eu le plus d'impact. Et donc aujourd'hui, l'enjeu par rapport à tout ça, bon, l'enjeu qui est largement répandu, répété, c'est de faire durer nos postes de travail. Que ce soit notre ordinateur, notre téléphone, notre tablette, c'est d'avoir des postes qui durent plus longtemps, qu'on peut réparer aussi, évidemment, et que l'on garde plus longtemps que ce qu'on pouvait faire avant. Voilà pour les impacts. On va passer à la suite maintenant, Julie. Alors, troisième question, où en est le droit à la déconnexion? Donc, la loi date de 2016, la mise en place est relativement lente, mais bon, ça commence à faire quand même quelque temps que le sujet est à la mode. Donc, pendant les vacances, question en France, nous sommes combien à travailler? 15%, 36% ou 47%? Donc là, c'est un sondage, hein, c'est pas une enquête de grande envergure. Alors, du coup, les réponses. Eh bien, la majeure partie des réponses sont autour de 15 et 36. 15 ou 36. Il y a égalité entre 15 et 36. Alors, le bon score, c'était 36, sachant que nous sommes toutes fonctions confondues. Bien évidemment, si on pose la question strictement à des cadres, et alors à des cadres dans l'IT en plus, on va vite arriver à 80-85%. Donc, toutes fonctions confondues, on est à 36% des Français qui travaillent pendant leurs vacances. Quand ce sondage est sorti, on s'est fait gausser par toute la presse internationale, puisque nous sommes quand même censés être l'exemple des travailleurs pas très travailleurs. Mais pourtant, on est quand même dans ces logiques-là. Et l'autre chiffre de ce sondage, c'était aussi que les gens qui ne vérifiaient pas leur email étaient donc 25% à être très mal à l'aise avec le fait de ne pas pouvoir aller se connecter alors qu'ils sont en vacances. Commentaire encore, désolé. Allez-y, allez-y. Dérange pas, c'est un peu interactif. Oui, c'est très bien. D'accord. En fait, je parle pour moi personnellement. Je passe aussi beaucoup de temps désormais au travail à recevoir mes mails personnels, des messages personnels sur Facebook, chose que peut-être on ne faisait pas avant. On est en train de mixer l'environnement privé et professionnel. Bon, certes, je passe du temps parfois le week-end à regarder mes mails, mais je passe aussi du temps le lundi à regarder mes mails perso. Est-ce qu'on a des études qui mettent en face de ça finalement le temps qu'on passe à l'inverse? Oui, alors bien sûr, il y a des études. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous donner les chiffres, mais qui étudient ça. Et ce qu'on montre, c'est qu'il y a une perte de limite entre la partie travail et la partie personnelle qui marche vraiment dans les deux sens. Parce que ce qui devient aussi possible de nos jours, alors pas partout, mais ça commence à venir, c'est de dire voilà, je m'absente en journée pour aller faire quelque chose de personnel, puis je reviens et ça ne pose pas de problème. Donc, on parle de blurring, de brouillage des limites entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et ça marche dans les deux sens. Par contre, autant on ne montre pas qu'il y a des difficultés si vous vous occupez de votre vie personnelle au travail, visiblement, ça n'a pas l'air d'avoir de conséquences importantes, mais on sait qu'il y a des difficultés si on s'occupe trop du travail pendant les temps de repos. C'est quand même déséquilibré dans l'impact que ça a sur la santé. Mais oui, bien sûr, les limites entre les deux se brouillent de plus en plus et on a des chiffres là-dessus. Il y a une espèce d'équilibrage final sur le temps passé dans les deux situations. Alors, pour revenir à la question du droit à la déconnexion, ce qu'on observe globalement, c'est que les choses se font assez doucement. Les obligations légales ne sont pas forcément mises en place.
voilà, c'est relativement lent. Mais quand on commence à le mettre en place, on est vite gêné par un autre aspect qui est que, bah, ma foi, si on déconnecte complètement pendant 3 semaines en été, quand on revient de vacances, le volume, par exemple, de mails à traiter va être immense. Donc, ce à quoi on arrive, c'est que non seulement il faut essayer de se déconnecter, mais pour cela, il faut aussi réduire globalement les volumes de l'information numérique en général. Et des mails en particulier. Donc c'est sur cet aspect-là qu'on va porter la deuxième partie de la présentation. Donc se déconnecter et réduire. Donc, sur ces bases-là, si on essaie de réduire, et notamment réduire notre usage du numérique et notre usage du mail, qui est le principal outil aujourd'hui de travail dans l'entreprise, nouvelle question auquel on vous demande de répondre, à quoi devrait servir un email? Est-ce qu'un email sert à féliciter, à envoyer des félicitations à une personne, à recadrer une personne, à faire un compte rendu d'une réunion, par exemple, à se questionner, à questionner des personnes sur tel ou tel sujet, ou à rédiger un document à plusieurs. Donc là, vous avez une question, cette fois à choix multiple, vous pouvez répondre sur plusieurs éléments. Et je vous laisse répondre. Alors, on commence à voir les réponses. Donc, on a donc, choix multiple, je vous rappelle, donc il n'y a pas de. Il y a plusieurs réponses possibles. Donc, on a une forte. Une forte réponse enfin autour de du compte rendu et du questionnement. C'est les deux qui arrivent en tête largement, il y a deux fois plus de réponses que les félicitations, qui ont elles-mêmes deux fois plus de réponses que la rédaction du document à plusieurs. Et on a aussi un recadrage qui est évoqué par email. Donc, est-ce que les personnes qui ont dit utiliser l'email pour faire des comptes rendus peuvent nous expliquer aujourd'hui comment ils travaillent, quel usage ils ont de l'email, s'il vous plaît. Qui veut bien nous répondre? Alors je prends la parole, j'essaye. Dans le cadre d'une réunion qui était à plusieurs, on n'est pas non plus obligé de faire des réunions avec 15 personnes, on peut être à deux ou trois et rédiger un compte rendu et informer plus de personnes. C'est dans le cadre de communiquer par écrit et en asynchrone. Très bien. Et vous pouvez nous dire ce que vous faites d'autre avec l'email? Alors Est-ce que moi, vous avez répondu sur d'autres éléments? Oui, j'ai mis questionnement, parce que certaines fois aussi, toujours pareil sur le travail asynchrone, plutôt que certaines fois, c'est intéressant de pouvoir poser des questions et que les gens puissent répondre au moment où ils sont disponibles. Mon but aussi, c'est que, enfin, comment dire, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec l'email, mais c'est juste, je veux aussi éviter d'avoir trop de réunions. Donc, certaines fois, je préfère passer par de l'écrit plutôt que par trop de réunions. Donc, voilà pour les questionnements. Et j'ai mis félicitations, parce que tous les bons moyens sont bons pour féliciter les personnes. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Ouais, sur les félicitations, en fait, effectivement, c'est toujours mieux, j'imagine, de le faire en personne, mais ça fait jamais de mal de recevoir un merci par mail, je trouve. Surtout que c'est facile à traiter. D'autres personnes? Moi, je veux bien, Nicolas. Oui. Moi, j'ai mis compte rendu pour surtout quand on se fait une discussion par téléphone avec quelqu'un pour bien mettre par écrit pour être sûr de s'être bien compris en face sur ce qu'on s'est dit. Voilà, c'est plus que compte rendu, c'est un petit récapitulatif de Très ce bien. qu'on s'est dit. Alors, question Sandrine. Donc, si, admettons qu'on se serve des mails quasiment que pour ça, on se sert de quoi d'autre pour communiquer alors? Pour communiquer. Alors, qu'est-ce que tu appelles communication? Faut se mettre d'accord là-dessus. Il Situation où un y a émetteur envoie un message à un récepteur. le chat. Le chat qui peut servir pour de l'instantané qui est pas censé rester. Après tout ce qui est compte rendu, ben, l'idéal c'est d'avoir un endroit où sont écrits les comptes rendus et partager les comptes rendus. Tout ce qui est recadrement, clairement je conseille pas à un manager de le faire par mail. Il n'y a personne d'ailleurs. C'était de la provocation de notre part. Oui, sans doute, c'était mignon.
Voilà. Par contre, les félicitations, j'ai mis les félicitations parce que je rejoins la personne dans le public qui a dit qu'on félicite jamais assez. Voilà. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas le seul canal. Oui, tout à fait. Et questionnement, bah justement, je me suis posé la question. Rédaction de documents à plusieurs, bah là, il y a des outils pour ça. Et questionnement, bah, de temps en temps, oui, ça permet de lancer des perches qui, de temps en temps, peuvent d'ailleurs se transformer en recadrage. Mais... Et voilà. Merci Sandrine. Mais bonne question. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir à leur à ce qu'ils ont répondu? Ok, bon bah du coup on va enchaîner sur la suite. Alors, question suivante. Alors c'est du coup question suivante. Alors là c'est une question totalement ouverte et on vous lira les réponses, on en discutera. Aujourd'hui, de façon globale, d'ailleurs pas forcément que par rapport à l'email, mais qu'est-ce qui vous empêche de déconnecter, de vous déconnecter? Donc là, vous pouvez nous donner vos réponses. Allez-y. Va savoir des réponses qui apparaissent. Alors, on a quoi comme réponse? On a accumulation de travail. On a une urgence. La surcharge au retour. Des engagements non négociables. Le professionnalisme, trop de volume à traiter au retour, donc là ça ressemble un peu à la surcharge au retour, mais c'est peut-être un peu différent aussi, et mes responsabilités, qu'on peut raccrocher aussi au retour sur professionnalisme. Est-ce qu'il y en a autre chose? Oui, il y en a d'autres qui viennent d'arriver. Peur de louper une information importante, l'habitude, le sentiment d'être réactive, besoin d'avoir un suivi sur les projets auxquels je participe. Est-ce qu'on en a d'autres? Non. Non, c'est tout. Bon, mais on voit qu'on a quand même beaucoup de retours différents. Je ne sais pas si Julie voulait Oui, commenter tout de ça. fait, dans les retours qui ont été proposés là, qui sont très variés, qui sont assez courants, on remarque deux registres. Il y a certains registres qui relèvent de l'organisation du travail, c'est-à-dire que la manière dont est fait organiser la transmission de l'information et le travail en général oblige parfois de rester connecté. Et donc là, c'est plus l'organisation générale qui nécessite d'être modifiée. Pour pouvoir se déconnecter quand on le souhaite. Et ensuite, on observe évidemment des freins personnels liés parfois au fait qu'on est devenu un peu trop central dans sa fonction et que donc si on n'est pas disponible, le système peut s'enrayer. Mais là, ça pose des questions évidemment de fond sur l'organisation du management, de la délégation. Et aussi du doublage des fonctions pour permettre que personne ne soit essentiel et irremplaçable. Mais on est effectivement sur les freins assez courants. Et dans les choses qui étaient citées, je note l'habitude parce que ça, c'est vraiment très important et c'est facile à faire changer. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire changer. Très bien. Mais du coup, on va passer à la dernière question. Julie, je vous laisse enchaîner. Oui, pardon, je suis désolée, j'ai voulu ouvrir le... Pour rebondir sur... Oui. Ça m'arrive de me connecter le week-end, par exemple, mais pour rejoindre la remarque du monsieur tout à l'heure, pour moi, ça relève de l'organisation personnelle. C'est-à-dire que je vais chercher ma fille qui est malade le vendredi après-midi, ben, le samedi, je vais retravailler 2 heures pour avoir fini ma semaine. C'est tout simplement de la conscience professionnelle et de la souplesse dans l'organisation, finalement. Alors, bon, ça nous fait avancer un peu sur le débat qui pourrait y avoir ensuite. Oui, ça relève de la souplesse. Après, ce qu'on observe quand on se questionne sur ces aspects-là,
c'est que ce temps où on libère complètement le cerveau de nos contraintes de travail, on en a besoin et c'est un facteur de santé qui est fort, qui est important et qui nous préserve. Donc, trouver l'équilibre intuitivement, ce n'est pas si simple. Et parfois, il faut un peu se dire, j'ai l'impression d'être à l'équilibre, y suis-je vraiment? C'est pas forcé. Enfin, voilà, c'est des questions que nous, on se pose en termes de prévention et de santé globale. Donc, j'essaye de vous amener sur la question d'après, excusez-moi. Ça ne veut pas. Donc, Yes. de toute façon, la question d'après, si, voilà. Donc, l'idée, on va partir du principe que vous allez être que vous sortez convaincu qu'il faut faire quelque chose. Et donc, essayons de voir ce qu'on pourrait faire déjà par rapport à l'email. Donc, comment vous commenceriez pour réduire déjà votre utilisation de l'email et donc réduire votre connexion et aller vers plus de temps de déconnexion? Donc là, de nouveau, questions à choix multiples. Alors, les réponses arrivent. Alors, du coup, on a une forme d'équilibre. On mesure et on réduit, qui arrive en premier. À égalité, cette fois, avec. On définit des créneaux spécifiques pour traiter ces emails. Juste derrière, on se forme aux nouvelles pratiques. Et après, en queue de peloton, et ça tombe bien pour le coup, on bascule tous les échanges sur Slack et on se permet de contourner la règle si besoin. Donc, par rapport à ça, moi, je vais vous apporter un témoignage de ce qu'on a fait, comment ça s'est passé il y a à peu près 10 ans maintenant. Il y a 10 ans, le constat est que en interne, je vous parle en interne parce c'est beaucoup plus difficile de maîtriser ses mails avec l'extérieur, évidemment. Je vous parle en interne, donc au sein d'une entreprise de 25-30 personnes. Moi, je fais le constat que l'usage du mail crée beaucoup plus de soucis que réellement de choses positives. C'est-à-dire que c'est d'abord, on souffre forcément de ce qu'on appelle l'infobésité, enfin le fait d'être trop sollicité par les mails, d'avoir trop d'informations pas forcément utiles. Et d'avoir une surcharge mentale liée à tous ces mails qui est pas bonne. Les mails, c'est source de conflits, de dérapages, de choses qui peuvent partir en escalade et qui au final n'apportent rien. Et en tant que manager, j'explique aux équipes tout ça sous la forme d'une présentation. Et je leur dis que à partir d'aujourd'hui, on va réduire les mails. Et en ce qui me concerne, mon objectif, c'est de plus utiliser le mail du tout en interne. Du tout. Bon, j'ai affaire à des personnes qui comprennent globalement, mais qui j'ai droit à des grands yeux, des personnes un peu surprises, très surprises. Et moi, je commence à mesurer pour voir comment j'arrive à réduire. Donc, de mémoire, parce que là, c'est il y a 10 ans, hein, je pense qu'il y a 10 ans, je devais envoyer à peu près 40 mails en interne par semaine. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être beaucoup, pour d'autres, c'est pas beaucoup, bon, enfin, je pense que c'était un peu dans la moyenne. Donc 40, première semaine, je mesure, je tombe à 20 à peu près, je tombe à 10 et bon, et j'arrive à plus grand-chose, voire zéro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Au niveau des. Donc, le fait de montrer l'exemple et de s'y tenir petit à petit, enfin assez vite, ceci dit, en quelques mois, c'était fait. Ça a eu pour effet que, ben, étant le dirigeant de l'entreprise, les autres personnes, évidemment, s'y sont mis également. Et donc, ça a eu pour effet au début d'avoir des solutions de contournement. Donc, ceux qui ne partaient pas par mail, partaient par SMS ou par je ne sais plus quel moyen à ce moment-là, mais ouais, SMS, je pense. Enfin, du coup, il y avait des choses qui n'étaient pas non plus idéales parce que l'idée de base, c'était quand même de dire la plupart des choses qu'on peut faire, on peut les faire ensemble et les résoudre ensemble. Donc, du coup, si on a besoin de quelque chose, on peut tout simplement se parler, ça peut prendre 5 minutes et le sujet est résolu. Donc, essayer de remplacer au maximum les temps d'échange qui pouvaient se faire de type asynchrone par mail par des temps d'échange synchrone en se voyant, en discutant, en s'appelant, peu importe.
Et franchement, ça a plutôt bien fonctionné, ça a même très bien fonctionné. On a dû adopter des outils, donc on a adopté un outil de chat pour des messages instantanés auxquels on répond. Alors, bien évidemment, je vous parlerai après de la déconnexion, hein. Bien évidemment, on peut tout autant être connecté avec ces outils qu'avec le mail, mais en tout cas, ça permet déjà d'avoir des plateformes qui servent à des messages dont la trace n'est pas, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, la trace n'est pas essentielle, et auquel on peut répondre très vite, sans formalisme, sans rien du tout. Et on y répond quand on se connecte, quand on décide de se connecter. Parce que parfois, le problème du mail, c'est que le mail décide à notre place ce qu'on doit faire. Donc, effectivement, grâce à ces outils, donc un outil de chat, un outil de ticketing. Donc, ticketing, le principe, c'est d'avoir une plateforme qui aide à poser un sujet qui doit être résolu. Ça peut être une demande d'un client et d'avoir un suivi de ce sujet. Donc tout ça a mené vraiment, en ce qui me concerne, moi j'ai un usage du mail aujourd'hui très, très léger. Je voulais vous montrer une vidéo et puis bon, j'ai pas forcément eu le temps matériel de faire le montage, mais je me suis filmé à mon retour de congé, 3 semaines de congé, des connexions complètes par rapport au mail. 3 semaines de congé et j'avais 350 mails à peu près. Alors là, je vous parlais, donc c'était principalement de l'extérieur, hein. Mais j'ai mis, donc c'est filmé, de toute façon, j'ai mis 12 minutes. Hein. Voilà, 3 semaines de congé, j'ai mis 12 minutes à trier les mails, à les classer, sachant que dans les 350, il y en a au moins la moitié, c'est du spam, et à garder de ceux auxquels je devais apporter des réponses ou à. Voilà. C'est super efficace. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est super efficace et pouvoir ne pas avoir les mails sur son téléphone, c'est un vrai bonheur. Aujourd'hui, je travaille, je n'ai pas les mails sur mon téléphone. Voilà pour le témoignage de cette partie-là. Je sais pas, du coup, on peut passer à des questions si vous voulez. Vincent, c'est Yann, Oui. Je suis étonné là, de ce que tu viens de dire, là, 12 minutes pour traiter tous tes mails. Comment tu as fait? Alors évidemment, je comprends pour tout ce qui est spam, mais comment tu as fait pour en… Moi c'est pareil, hein, j'en ai 100 par jour des mails, mais j'y passe des heures, hein, c'est pas 12 minutes. Comment tu as fait pour y passer que 12 minutes? Alors je crois que tu parles que du tri, mais Oui. déjà pour cette partie-là, comment tu as fait? Alors, effectivement, je parle que du tri, donc l'idée, c'était là de trier donc de tout ce qui m'intéressait pas ou je connaissais pas l'expéditeur, de toute façon je les supprime, c'est direct. Et donc ensuite là je pense que j'en ai supprimé une bonne moitié au moins, voire plus, ouais, je pense même plus. Après j'ai tous les mails du coup il peut y avoir des infos des groupes auxquels je suis abonné, ben, Digital 113 ou d'autres, ben dans un premier temps, je les ai mis de côté en me disant que je les lirai plus tard. Donc, je crois que j'en ai mis une quarantaine de côté en me disant que je les lirai plus tard. Et après, il y a tous les mails clients que j'ai, donc principalement, puisque j'ai peu de mails internes, tous les mails clients que j'ai lus et que dans les 12 minutes, je n'ai pas répondu à tout. Hein. Enfin, d'accord, s'il y avait des réponses rapides, je les ai faites, mais c'était surtout un acte de tri que j'ai fait là. Et du coup, au final, il me restait, je pense, comme ça, je vous le fais de mémoire, il me reste une 40 mails d'informations à lire et je ne sais pas, 10, 15 mails de clients à traiter. Bon, sachant que les clients savaient que j'étais en vacances, donc ils ont aussi pas forcément envoyé des messages. Ou en tout cas, s'ils ont envoyé des messages, ils ont eu un message qui disait que j'étais absent et que du coup, il fallait contacter telle ou telle personne. Donc parfois, le message client était de toute façon déjà résolu. Et au final, voilà, au final, j'ai la vidéo, hein, donc je pourrais te la montrer, Yann, mais 12 minutes. Mais je pense que c'est possible pour Nicolas parce que ça fait longtemps qu'il est dans cette démarche-là, que déjà au sein de l'entreprise, mais même auprès de ses clients et de ses prestataires, on sait que ce n'est pas la peine de le saturer de mails. De toute façon, ce n'est pas son mode de fonctionnement. Ça, le fait de réduire la quantité de mails, crée un cercle vertueux vers la réduction, en fait, hein, tout simplement. Moi, j'utilise le mail aujourd'hui que pour les comptes rendus. Voilà. Et en interne, j'envoie des mails. En interne, on n'a même pas tellement de mails de type compte rendu, mais en interne, les mails que j'ai envoyés, c'est plutôt des mails que je vais transférer, quoi. C'est-à-dire, j'ai reçu quelque chose qui ne me concerne pas, je le transfère à quelqu'un d'autre. Mais sinon, on a quasiment pas. Ouais. C'est enfin, en interne, c'est quasiment pas, quoi. Enfin, tu as dit 100 par jour, moi, ce que je vous ai dit, c'est 300 sur 3 semaines. Hein.
Donc ça veut bien dire sachant que je suis quand même pas mal spammé, beaucoup trop à mon goût, voilà, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Et c'est possible. Franchement, ça fait longtemps qu'on est comme ça, hein, ça c'est sûr. Et effectivement, je suis d'accord avec Julie, le fait de ne pas envoyer beaucoup de mails fait qu'on en reçoit un peu aussi. Hein. Et le fait d'avoir des outils aussi, enfin, c'est vrai que nos clients, comment dire, par rapport au projet que l'on fait avec eux, on va utiliser des outils pour de suivi, quoi, ce que j'appelle les outils de ticketing. Donc, tous les messages, les échanges se passent là-dedans. Donc, ça, il y a fort, enfin, comment dire, ce qui se passait par mail avant rentre dans ce système-là. D'accord? Mais ce système-là, il est beaucoup moins intrusif quelque part parce qu'on pilote beaucoup plus, d'abord ce sur quoi on veut être notifié. Et après, ce que je veux dire aussi par rapport à la personne qui a évoqué le fait de s'organiser par rapport à son travail, je suis 100% d'accord. Je suis aussi confronté au fait de, ben, il m'arrive de travailler le week-end, trop d'ailleurs, mais ça m'arrive. Par contre, c'est une décision que je prends. C'est-à-dire que ce n'est pas un mail que je reçois le week-end qui me dit, tiens, il faut faire ça. C'est moi qui ai décidé que ben, samedi à 16h, je vais m'occuper de tel ou tel sujet. Et ça change fondamentalement parce que le mail, c'est déjà. Enfin, c'est d'abord, ou pas que, ceci dit, c'est d'abord un voleur de temps. C'est-à-dire que quand vous recevez un mail, vous êtes quelque chose, vous recevez un mail, ce mail peut décider à votre place quelque part, mais qu'il faut se mettre sur autre chose. Alors, je sais bien que dans certains cas, on n'a peut-être pas le choix, je suis d'accord. Quand c'est un mail d'un client et qui explique qu'il y a un méga problème et qu'il faut le résoudre vite, bon, de toute façon, déjà, en général, il vaudrait mieux qu'il nous appelle dans ce cas-là, mais admettons. Mais ça n'empêche qu'au final, c'est le mail qui décide à votre place ce que vous faites. Donc, ne pas les recevoir, ça vous aide. Si vous voulez travailler le week-end, en tout cas, ça vous aide à faire ce que vous avez à faire et que vous avez décidé de faire le week-end, ce qui, du coup, change la donne. Alors, je ne sais pas si c'est mieux par rapport au retour qu'a pu faire Julie sur les questions de santé, mais en tout cas, voilà. J'ai une autre question. Alors déjà trois chiffres que j'ai lus sur Internet. Ah, le premier qui date peut-être d'il y a quelques années. Hein. Le premier, c'est en émission, on émettrait à peu près en moyenne 33 mails par jour et en réception, on est autour des 80 pour ceux qui sont dans le domaine. Et puis le troisième chiffre, c'est pour les cadres sub, je crois qu'on passe. Alors c'est un chiffre hallucinant. En France, à peu près 5 heures par jour sur sa boîte mail. Alors, parce que c'est pas mon cas en tout cas, et donc trois chiffres qui sont quand même voilà, gardés en tête. Et ma question, c'est pas sur ces trois chiffres, mais c'est plutôt sur l'IA. On en parlait avec ma voisine là. L'IA aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'avec l'IA potentiellement, ça pouvait traiter tous les mails et y répondre, c'est-à-dire qu'on se dédouane quasiment totalement de sa gestion de boîte mail. Est-ce que Nicolas, tu as regardé un peu de ce côté-là ou? Non, je vais pas regarder parce que mon but, c'est de pas, c'est ni en envoyer ni en recevoir. Donc, je veux surtout pas que quelqu'un le fasse à ma place. Donc, ce que j'envoie, c'est que pour moi, ils sont importants, évidemment. Donc, non, j'ai pas du tout regardé. Alors, en plus, on défend l'idée que enfin, moi, je défends deux idées. D'abord, que le mail, on peut travailler autrement et me semble-t-il mieux avec un usage moindre du mail. Et je défends aussi l'idée qu'il faut qu'on diminue nos usages du numérique pour être sur un numérique plus responsable et plus vertueux. Donc, si on se dit, ben, continuons sur le mail et tant pis s'il y en a plus parce que c'est l'IA qui va le faire à notre place, là, on fait, en termes d'impact, enfin de mauvais impact quelque part, là, on fait coup double, hein, parce que ben, je Oui, pense on part dans l'autre sens. On oui, part en je sens pense quand même inverse. que l'IA polluera plus quelque part que le mail. Je n'ai pas les chiffres pour le coup, mais vu ce que j'entends des impacts de l'IA, c'est pas la, je pense que c'est pas la bonne, ce serait pas la bonne nouvelle si on allait vers là, quoi. Voilà. Surtout si elle discute entre elles. Oui, voilà. Si, ah oui, là, elles peuvent, oui, si elles discutent entre elles, ça peut faire des mails assez sympathiques, ouais. En termes d'infobésité, je pense que ça peut être assez terrible au final. Je vais bien partager deux astuces éventuellement. Pour la Avec tienne, plaisir. déjà, c'est de travailler sur les notifications qu'on reçoit sur son téléphone pour les désactiver le week-end, par exemple. C'est possible aujourd'hui de faire par jour. Le faire également pour tout autre sur WhatsApp, pour conversations privées, pour vraiment faire ce travail pour réduire au maximum les notifications. Le petit badge rouge, si je comprends bien, ils ont bien réfléchi à la question pour que ce soit addictif pour nous d'y répondre. Donc ça, Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, je suis d'accord.
Pardon, la deuxième astuce, alors qui peut être compliquée, mais c'est vraiment, moi j'essaie d'avoir tous les soirs ma boîte mail vide, zéro. Alors ça ne veut pas dire que j'ai traité tous les mails, mais par contre ils sont catégorisés, ceux auxquels je dois répondre, je sais où ils sont et je sais quand je déciderai de travailler dessus. Mais ils ne polluent pas, ils ne m'apportent pas une charge mentale parce que je vois une boîte de mails qui déborde. Voilà. C'est très bien. Oh, et c'est. Moi, j'ai pour habitude aussi d'essayer de. Enfin, je garde que les mails auxquels je n'ai pas encore répondu, mais essayer de vider tout ça régulièrement aussi. Et après, les notifs, je suis d'accord. Mais là, moi, pour le coup, c'est plus drastique. Le mail, je ne l'ai pas sur mon téléphone. Et j'enlève toute forme de notification. Bon, à part le SMS, parce qu'on n'a pas le choix. Mais enfin, je sais pas le faire. Enfin, je ne sais même pas si c'est possible d'ailleurs. Mais c'est peut-être possible d'ailleurs. Okay. Des journées sans mail dans les entreprises, t'as entendu parler de ça ou... Oui, j'ai entendu parler. Oui, mais enfin, je pense que tout ce qui pourrait arriver à montrer que c'est possible et qu'on peut y arriver, c'est sûrement une bonne chose. Après, les nouvelles générations arrivent dans les entreprises, elles n'utilisent pas beaucoup l'email, hein. Après, j'ai l'impression qu'elles s'y mettent assez vite. Donc, bon. Mais oui, mais franchement, l'habitude, c'est. Après, c'est un choix collectif. Hein. Enfin, on ne peut pas le faire tout seul, évidemment. On ne peut pas être le seul à ne pas envoyer de mail, parce que là on va vite. Mais c'est pas forcément au sein d'une entreprise complète, mais déjà au sein de son service, ça peut déjà se tester. Et pour se tester, vraiment, le fait de mesurer, de voir où on en est, c'est vite fait de compter, hein, le nombre de mails. Hein. Enfin, ça se fait assez vite. Hein. Et de voir semaine après semaine comment on a progressé, c'est rentrer dans un cercle vertueux où franchement au final on est. Moi je suis pas stressé par les mails. Hein. Enfin je veux dire je suis pas. C'est pas le quand le mail devient le canal même de l'urgence, ça devient très très gênant quoi. Et aujourd'hui je pense que dans pas mal d'endroits le mail c'est le canal de l'urgence. On reçoit un mail et 2 minutes après on reçoit un mail. Tu m'as pas répondu. Ouais. Bon, certes. Voilà. Enfin, bon, c'est un choix qui fonctionne, je trouve, pas mal, plutôt bien. Ah, je crois qu'il y a des questions en ligne, là, je sais pas si... Ouais, alors par contre, j'ai pas trop fait attention aux mains levées, du coup. Ben, mais c'est pas moi qui la main. Non, là, j'en vois pas. Enfin, je sais pas s'il y en a eu, en tout cas, je les ai ratés, s'il y en a eu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais essayer d'avoir le. Je ne vois pas de main levée en tout cas. Dans la salle, il y aurait d'autres questions? Alors bon. Ça a l'air bon? Merci beaucoup, Bertrand et Julie. Merci à vous. Passez une bonne fin de journée, un bon week-end. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Merci à au revoir. vous. Au revoir. Merci.